mère arrive, il vaut mieux que je te laisse. Ça te dirait qu'on se parle par webcam? Désolée, celle de mon portable est cassée. Ça t'embête? Non? C'est pas grave. Salut. Je suis là! Qu'est-ce que tu faisais, maman? J'ai acheté de quoi manger ensemble avant que tu te déposes chez ton père. Maya, tu préparais quelque chose? Elle ne sait pas cuisiner. Elle fait des bolognaises. Bien sûr. Comme par hasard, c'est un plat que tu adores. Et alors, c'est sympa, non? Maya dit qu'elle a enfin ce dont elle rêvait. Et elle rêve de quoi, cette brave Maya? D'avoir une femme et une fille comme moi. Apparemment, elle peut pas avoir d'enfant. Alors elle est toujours contente de me voir. Comme c'est touchant. Tu faisais quoi? Rien de spécial. Je jouais au tennis. Mmh. Enfin, j'appuyais juste sur des touches. Et tu jouais toute seule? Au tennis? Non, avec une copine. Pourquoi tu vas pas jouer avec ta copine, en vrai? Parce que cette fille-là habite loin, maman. Sur le chemin du bureau, je suis passée devant un chouette court de tennis. Attends, si tu veux, je peux te le montrer. Tu vas voir, c'est tout près de la maison. Non, j'ai pas envie. Jessie, sois mignonne, ça me fera plaisir. Oh, tu me gonfles avec tes histoires. Toi, t'as qu'à jouer au tennis si ça t'amuse. Écoute, Jessie, je suis inquiète. Ta prof a dit que tu n'avais pas d'amis à l'école. De quoi elle se mêle? Et c'est n'importe quoi. J'ai plus de 200 abonnés qui me suivent. Des abonnés? Tu sais que c'est pas des amis. Ce sont juste des inconnus qui reçoivent des messages automatisés par email. C'est vrai ou pas? Ça m'étonne pas que tu vois ça comme ça, toi. T'y connais rien, tu m'énerves. Mais personne ne peut avoir 200 et quelques vrais amis. C'est n'importe quoi, c'est virtuel, tout ça, c'est pas réel. Mes amis sont aussi réels que toi. Christine comprend même mieux que toi. Je peux tout lui dire. Sur Internet, c'est une vraie amie. Tu ne rencontres pas vraiment les gens sur Internet. Il faut que tu sortes. Tu étais toujours dehors avec tes copains avant. Et alors? Bon, je vais t'inscrire au tennis, il faut que tu essaies au moins. Quel genre d'amis tu veux que j'aie exactement? Des amis avec qui je me dispute comme toi tu le fais tout le temps avec papa? Merci, je peux m'en passer. Je t'ai jamais entendu parler comme ça. D'où est-ce que tu sors ces choses-là? Qui te monte contre moi? Je vais chez papa en bus. Non, on n'a pas fini de parler. Hé! Hey! Soit je t'inscris au tennis à côté, soit je déconnecte tout. Quoi? Plus d'internet si c'est comme ça. Papa m'attend, faut qu'on parte. On s'en va dès que tu auras décidé ce que tu veux faire. Je t'écoute. Je te laisse 5 minutes de réflexion, après je te conduis chez ton père.